Salut tout le monde! Ici Doudou! D'où j'ai consommé toutes mes micros comme ça là, c'est vrai? Enfin bon. Aujourd'hui, fin de la session sur le coup 2. On va faire encore quelques petits trucs sympas. Et cette fois-ci, on ne fera pas que de la voiture. Je vais me mettre en vue intérieure, ce sera plus sympa. Voilà. Ce riff de l'enfer, quoi, il est trop bien ce riff. Allez hop, on tourne. Une street race, très bien. Je choisis la facilité. Non, sérieusement, le but c'est de gagner, de se faire du fric. Eh ben, il a mis son temps, cet enculé là. Allez, pied au plancher. Je suis déjà plus vite que vous. Et le nécessaire. Voilà, vanité. Ça fait aucun sens ce néon à la con. Est-ce que c'est un bug du jeu et que c'est sur cette console de la voiture? Mais ça n'a pas aucun sens. On commence à jouer contre des ordis qui ont de la vanité, quoi. Incroyable. Et merde. Bah ça va là au bout d'un moment. Oh, ça va. Je vais rattraper en un tour demain. Le long du Mississippi. Est-ce qu'on va rencontrer Tom Sawyer? Le truc absolument impossible, tu sais. Premièrement, parce que c'est un personnage fictif. Deuxièmement, parce que techniquement, il vit pas à cette époque. Et pour ceux qui ne le savent pas, Tom Sawyer, c'est pas un dessin animé en premier lieu, c'est un bouquin. Je crois même que c'est un bouquin assez connu en littérature américaine. Je me demande si j'ai pas un exemplaire, mais genre un vieil exemplaire, un truc qui date de genre du siècle dernier. Si je sais que j'ai trois livres comme ça, je me demande s'il y en a pas un de ces Tom Sawyer. J'ai jamais vraiment lu en entier, d'ailleurs j'ai lu leur genre deux chapitres et puis après ça m'a gavé. Bah 70. On les a déjà niqués. Ça va vite, hein. Enfin bon. Mmh.
faudrait avoir de gaz naturel, quoi. Réservoir pressurisé. Je me suis toujours demandé pourquoi les réservoirs pressurisés, il faut toujours que ce soit des trucs avec des formes sphériques. Est-ce que c'est parce que ça supporte mieux la pression? Oh, sûrement, ouais. J'imagine que ça doit être ça. Eh ben ça monte bien. Oh, il est même pas premier. Enfin, ben non, il est même pas deuxième, pardon. Il pouvait pas être premier, c'est moi le premier. Alors, voyons voir. Yes! C'est de la merde. C'est pas mal. De la merde. Ça c'est bien. Ok. Destination. Bon, on va pas changer de voiture pour ça, si. Quand même pas. Faut pas abuser. Oh, mais faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui m'emmerde, c'est pas possible! On peut jamais être tranquille. Numéro inconnu, et bah va te faire foutre, tu sais quoi? Et oula! Ah bah. Ça, alors. Ça va être drôle à regarder, tiens. Vous avez dû exploser de rire. Ça leur a plu de regarder ça, tiens. Je dirais bien qu'ils ont apprécié le spectacle, les gens là-bas. Ils étaient là, wouh, trop bien! Il va y avoir une course dans le coin. Si ton ami Alexis t'a parlé de ça, ah bah, l'équilibrage en fait du bateau, c'est super important. Si t'élèves l'avant, tu gagnes en vitesse. Si tu le baisses, tu perds la vitesse au profit d'une meilleure maniabilité. Joue là-dessus et tu gagneras de précieuses secondes. D'accord. On rappelle les commandes, s'il te plaît. Ah, oh, c'est un bon problème. Alors, attendez. Paramètres. Commande, configuration de touche. Plus c'est moins. Merci. Et tu vas? Alors va leur montrer. Je peux recommencer s'il vous plaît. C'est un grand moteur pour un tout petit bateau comme ça.
Avec le bateau que t'as, tu devrais pouvoir faire mieux là. Ah, tu en es passé là tout à l'heure. Enfin, je dis ça, mais je pensais bien que tu passerais par là. Enfin bon. Vois les caribous. Non, je suis encore devant. Merde, j'ai fait une capture d'écran. Mais du coup, ça lag. C'est pas possible. Mais on met pas comme ça dans le virage, du coup. Mais qu'est-ce qu'il est con, ce jeu. Pardon. Oh, bateau à aube. Ah bah, il y a le cadavre de Tom Sawyer dedans, sûrement. Le truc morbide. Il est mort en crachant un bateau. Est-ce qu'il meurt, Tom Sawyer, à la fin du bouquin? Je sais pas, je l'ai pas lu. Enfin, j'ai pas lu la fin. C'était plus rapide que ce que je pensais. Ah bah oui. J'oserais même dire que je suis même plus rapide que tu ne le seras jamais, connasse. Cette insulte gratuite que je viens de lui sortir pour aucune raison, quoi. Wouhou ! Ça y est, championne du monde. T'as réussi à prouver qu'il n'y en avait pas mieux que toi pour piloter tout ce qu'on pouvait te lancer. Avions, bateaux, et même des monster trucks. Si on était dans un film, il dirait « C'est pas croyable ». Mais toi et moi, on sait que t'as vraiment bossé pour ça. Du coup, maintenant, j'y crois. Félicitations, c'est toi la championne du monde. Par contre, attends-toi à ce que je regagne le titre. Toi et moi, on a encore pas mal de courses à disputer. Ah ouais. On en est où là? 13 minutes, très bien. On a encore pas mal de choses à faire. C'est ça, 1h27, c'est ma mémoire. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? J'ai pas prévu que c'est... Vers la grosse vache. Ce nom me fait marrer. Non, on va faire des courses de bateau. Bah, c'était épais, hein, pour le coup. Fini de faire de la route tout le temps, là. On va juste se TP et puis voilà. Oh, la Bozette bonasse! La Bozette à gros seins. East River Strait. Ah, c'est une course interdite aux homosexuels? Il y a un gaydar à l'entrée? Oh putain. Imagine le gouac de faire une course, tu sais, et le mec te dépasse et tu vois une Bozette avec des seins immenses qui se lèchent les boules, tu sais.
On fonce. Ouh. C'est joli ces espèces de petits lampions qu'ils ont mis. Il y a une grosse mer, hein, putain. Grosse mer, la vache. Drift mer. Ah ouais. T'appelles ça un drift, toi? Drift. Truc qui part en couille. What? D'accord, vas-y, fais ce que tu veux. Pardon, que se passe-t-il? Mon bateau vole. C'est grave, docteur? Attends. Attends, on va se mettre dans le creux d'une vague. Et ça le fait remonter, mais pas redescendre. Ça fait aucun sens. C'était lequel l'autre que je voulais faire? Oui, le jeu? Non, ma souris peut-être? Oui, non, c'était le jeu. Hop, encore un petit jet sprint. J'adore faire du jet sprint, j'adore, franchement. Je trouve ça trop bien. Tu sais ce qui est le plus dur avec le freestyle? Trouver des gens assez dingues. Ouh, pour venir en voiture. Ah, oui. Sur l'échelle de la vie, il faut être au moins à 7 sur 10 pour pouvoir l'envisager. Voire 8. C'est pas une échelle scientifique. Oui, je m'en serais douté, oui. Et les astronautes, ils sont à combien? Ils sont à 12. T'as amélioré le temps du checkpoint? Ah bah oui. Au bout d'un moment, tu m'as appris à conduire le bateau tout à l'heure. J'en profite. Maintenant, vous pourrez plus jamais me vaincre. Hein. Fallait pas me donner ce conseil. Oh, Luc, oh, le cerf! L'élan, quoi! Non, c'était un cerf. Il avait pas des grands bois comme un néant. Mion, c'était quoi ce béton? Oula. Qu'est-ce que c'est que ce marécage tout pourri avec du bois partout, sérieux? Ici, il faut être maniable. C'est joli! C'est magnifique cet endroit! C'est pas loin de sortir là. Le renard, mais le renard il se noie pas.
est tellement loin derrière, elle. Aïe. Gagné. Cette course a pulvérisé l'échelle de la folie. Ah bon, j'ai déjà fait plus dur. Si c'était possible. Bon, c'est moi qui décide. 11 sur 10. Bon, dans ce cas, les astronautes, ils sont à 29. L'ordre 66. Ce bateau est un traître à l'ordre Jedi. C'est plutôt les Jedi qui sont des traîtres avec l'ordre 66, mais bon. 22 minutes. Bah écoutez, ça va être la fin de cette vidéo. Je vous laisse là. C'était Doudou. Salut.